Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Mardi du Livre. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan, publié aux éditions Gallimard. Clara se sentait parfois si triste et si décalée. Ce n'était pas nouveau. Cependant, cette sensation s'était accrue au cours des dernières années et bien que dénuée d'amertume, était devenue douloureuse. Elle avait raté une marche. Un épisode, une étape. Elle, à qui on avait offert 1984 et Fahrenheit 451 le jour de ses 14 ans, elle qui avait grandi au milieu d'adultes toujours promptes à contester les dérives de leur époque, elle qui venait d'un monde où tout devait sans cesse être questionné, pensé, avait regardé le train partir sans pouvoir monter dedans. Ses parents s'étaient trompés. Il croyait que Big Brother s'incarnerait en une puissance extérieure totalitaire, autoritaire, contre laquelle il faudrait s'insurger. Mais Big Brother n'avait pas eu besoin de s'imposer. Big Brother avait été accueilli les bras ouverts et le cœur affamé de likes, et chacun avait accepté d'être son propre bourreau. Les frontières de l'intime s'étaient déplacées. Les réseaux censuraient les images de seins ou de fesses, mais en échange d'un clic, d'un cœur, d'un pouce levé, on montrait ses enfants, sa famille, on racontait sa vie. Chacun était devenu l'administrateur de sa propre exhibition. Et celle-ci était devenue un élément indispensable à la réalisation de soi. La question n'était pas de savoir qui était Mélanie Clot. La question était de savoir ce que l'époque tolérait, encourageait et même portait au nu, et d'admettre qu'ils étaient inadaptés, dépassés, voire réactionnaires, ceux qui, comme elle, ne pouvaient plus s'y mouvoir sans s'étonner ou s'indigner. Clara parvint enfin à couper l'ordinateur. Elle avait les cervicales en miettes. Elle attrapa ses affaires, éteignit les lumières du bureau et sortit du bastion. Dehors, l'air était frais. Elle prit son chemin habituel.